Donc voilà, donc comme votre émission Découverte de communes et des quartiers nous permet de découvrir Milia Batunengi Zalara. En tout cas, vraiment, tous les essayer, moi, parce qu'il y a aussi, en long de l'icône, il y a métier tradit praticien à la personne de Kumukanga, donc Azali Pimon et Angaba. Donc on ne peut jamais penser ça pour autant. Tout le monde est solo, il y a Papa Kumukanga, R, tout ça, la commune Angaba, il y a un moment où il y a une résidence familiale, il y a une place où il y a un Fanda. Donc, autre chose, Baba Nanini. Otozana venu dans la langa. Ah, voilà, dans la langa. Donc, Awande, Sika, Papa Kumukanga, l'offanda. Awande, nous, Makamuni, nous, Sweza. Oh, nous, on a dit que nous, Makamutu, Kumukanga, et Zadawa. Ata, Koufa, c'est l'hôpital Koufite. Hôpital Koufite, mon aîné, mais il faut que Salakawa. Yeye binyo makamutuka nenga salaka biso toyaka pocho solola na ye toyeba musale tambula nini ni musale tambula nini kasimena minuto yo ndo kumukanga nita kufa makamunyosu ndo kezalewa na venila ngalanga na komina ngaba. Voilà, merci beaucoup. Donc, notre émission, c'est Découverte de communes et des quartiers spéciaux à la commune de Ngaba. Nous allons parler avec le fils du docteur Kumukanga Oatikabiso par rapport à la commune Ngaba et puis par rapport à l'activité de la banque de volé. Nous allons entrer tout au côté de la Kati. Nous allons entrer tout au côté de la Bissot. Tout au côté de la Bissot, en tout cas. Voilà, tout au côté, voilà, nous sommes maintenant dans la Kati. Il y a concession. Il y a Kumukanga Oazala qui est parmi les fondateurs. Il y a tradit métier, tradit praticien. Il y a Yambo Kanabiso. Il y a Bokoko. Oh, à base de plantes, bah, ça, bah, te belé, à base de banzete, bah, te belé, bah, zo, bah, guérison. On se rappelle encore, Olingi Mwana Pasuka, Olingi Basanye, les ladoks, il faut qu'il n'y ait pas Kumukanga. Donc, c'est un peu ça. Et là, il y a Tikila Bissot, il y a Malamou. Et puis, ce qui est très important, vous savez, comme on dit en français, hein, il y a toujours des successeurs. Il y a Tiki parce que l'œuvre ne peut jamais. Partir du banc, il faut être quand même dans Oyo à le devant. Il y a le qu'on a le rôle à Docteur Elvis. Docteur Elvis, bonjour. Oui, bonjour papa. Bonne santé. Non, santé bien. Voilà, tu es aussi prendre Brio, Bissot, dans le cadre de mission Bissot, découverte de communes et des quartiers. Tout le monde est sur la commune et sur la quartier. Donc, actuellement, bon, c'est pas inventé. Hein. Sur le côté de YouTube, vous allez voir, nous sommes presque au niveau mort. Nous avons Sango, Bissot, la politique, mais même si Sango, à bon moment, parce que la mine est trop bête dans le record. Déjà, la semaine passée, la bête avec Sango dans le record, l'émission, il y a Makala. Donc, trop bête est sous une émission en Gabba, parce que tu n'as pas Koumou, mais c'est Koumou, on peut ça, Maramounaï. Voilà, commune Ngaba, vous faites depuis combien de temps? Ngaï na botami na commune Ngaba. Donc Ngaï to depuis tous les na papa. Voilà papa, a salu combien de temps par rapport à Moussala ou à la commune Ngaba? Na Moussala ou a salu 38 ans na commune Ngaba. 38 ans. Ça veut dire, papa Benga, parce que dans l'histoire, il fit parmi les premiers fondateurs d'un métier de tradit praticien. Mais oui, il y a un premier tradit à Congo, reconnu dans le ministère de la Santé. Voilà. Tant que vous travaillez dans papa, qu'est-ce qu'il te disait comme conseil? Tant que vous travaillez dans Elvis, il faut oser la bouille, bouille, pour appeler le bio comment? Ouais, ça que l'obama est belé, mais oh, vraiment, en retenant beaucoup plus ces zones là, en gâte chilélo, un homme accomplit son nom, et puis on comprend depuis le départ, il y a Tika Combo, et puis on a développé un homme accomplit, ça que l'obama est un homme là, mon dos, Tika Ma, ou Tika Combo, on a un homme à Bé, à Tika Combo, dans le blog, on a un homme à Bé, mais comme l'homme, il y a un homme à chilélo. Voilà, parce que depuis Abanda, il y a eu des cas qui habitaient, papa Kumukanga, en tout cas vraiment, dans le domaine Oyo, pour ceux qui sont malades, pardon, on peut se dire qui est Nabiki, est-ce que vous avez eu des témoignages? Ebele, vraiment. Aza médecin, Azalaki médecin Yambo Yambo ka Congo, Azali Mingi pour la médecine traditionnelle ya Congo, Ye Mouda Banda une initiative européenne en un hôpital à Bokoko. Ye pe ayo longolango komi centre traditionnel, ayo longolango pe sous komi sous médecine africaine, ayo lo batoto panze yango to tikango Congo te mesa pe médecine africaine. Na misali yango no batu babiki telme bele batemono je sele mebele. Le lo soyo ki batu bazo ganga makama mabota, prevane ye batele ti na ba église. Comme quand on a bâti ça, bon, qui pas comme quand on a joué le quoi, on dirait sur une année, mais référence mon robot. Donc, il a bâti ça, puis on a bâti. Ça, c'est le gros bâti. Pasteur, du coup, pasteur, on a été va bien. Comme quand on a repris sa banne, bon, est-ce qu'on a repris sa moine à thé? Donc, il faut croire dans un bébé. Oh, il y a, et puis, on a repris ça, comme quand on a repris ça, qui soit là. Est-ce que l'État congolais
est-ce que l'État congolais ne reconnaît pas papa parce qu'il n'est plus hein? Est-ce que l'État congolais reconnaît pas Naliwana peut-être ou déjà l'État congolais parce que tout le monde n'a pas pris ça ba médaille de chancelier. Est-ce que l'État congolais il avait reconnu papa Naliwana et balaté cette médaille moins chancelier il y a chancelier ou autorité le quoi le ministère de la santé ba reconnaît vraiment et papa ça là non il va reconnaître. Si vous avez reconnaître que Kumu Kanga est grand en médecine traditionnelle, vous avez dit que la médecine traditionnelle est tombée. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que quelque chose pour dit que vous avez 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 dit que vous avez. Et puis, na loba pe na bi bonde na osala yango, asala pe musana ye, ya msala mon noble, na pe na ju yango na ozo relève malgré sika na tika ye, na luka de façon na longole wana tia la place o yo to sana kombo na ye. Ule na lela 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 ba ba yiba ki yango. A des matchs salés mais quand même bon. Quoi, vous étiez plus seulement en mode tosan. Voilà, voilà, c'est ça les défauts de l'État congolais. On reconnaît que l'homme quand il est vivant, des bobettes, oui, ah t'es comme Kanga Zali, mais à Koufi même pas parce que comme Kanga, Aza le premier médecin à Bokoko, il y a Bandaka, on bouge à matin, on est comme ici, tout le monde a bah des dimanches passés, bah y a Nasimana, y est, babotami tellement ébélé, 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 Nasimaya, comme Kanga, oh Azoki quand même, bah c'était un risque hein, à l'époque, pas mutant dima, aya consigné pas la binou hein. Mais oui, ils ont risqué. En tant que médecine traditionnelle, ils ont une place T. Ils ont une médecine traditionnelle combattue même par l'État. Ils ont une longue voie pour nous gagner. Or, si on a la Bible, au moins, on a Ézéchiel 47:12, on a une commission de l'Oboué. Ils ont une plante pour permettre un d'aller. Et puis, une plante pour permettre un d'aller qui se remède. Mais le livre doit comprendre, attends, on a une bitumba. Vamos no que panganga o que como ganga kutu batebele bazo benga como ganga voilà donc bazo mon ganga mais oza ki gerisi oza ki munganga médecin como wana c'est parce qu'il fit roi ou chef du village ou bien como parce que como c'est comme si como mon roi za attribution ya bakonzi ba ngamba como eza ki ningeni non como eza como na ye oyo ya zwaya ya koko na ye nkumu zana kombo normal ya kumu mais azalaki pe chef to zana famille mo kutimir quoi. Parce qu'aujourd'hui là tout au bikalo na na médecine ya bandu na so be indien c'est à base de plantes hein. Maintenant le gouvernement a compris ça en retard. Ouais même ata ba comprendre on en retard mais bazo sala pe lora malonga na médecine ngote tant que to monia na étape tout le gouvernement ya COVID-19 au moins ba tradi ba za ki un peu à l'écart. Or que so ba sa ba social ki ba tout nyonso. Parce que tant que déjà associé mon tourné l'or moins bon mais somme dans lumière à faire partie dans ce rien dans lumière risque hein. Voilà donc tant que bien bon 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 associé bon bon et puis batali ba fandi quoi son en bon comme sur l'eau va ils ont tombé ma grâce à médecine bah chinois pas toujours dans ma plante ben dia dans ma plante mais somme mon chinois mon gars ça les publicité biso mbang to ke kuna. OK nous oublions quoi bah chinois médecine bon na racine la plante na bango ils ont dans le climat na bango bien dans le climat na biso et puis c'est pas dans la saison bon ta raté. Donc, tout ça peut être l'image d'un bisou liac. Il y a bango qui s'en est bien. Mais tant que nous sommes au Congo, bah pêcher les mousses, et qu'on ressent ça, c'est parce que bah tu connais la différence au Yabango. Donc, ok, faut zonga na kiti na bisou, zonga na médecine na bisou pour big ça. C'est un peu ça. Voilà, docteur Alvis, en tout cas, c'était juste des passages. Il y a tout cas les sucres, on a relève à papa. Ça évolue comment? Ouais, ça va. Ça va vraiment. C'est ok, n'ango bien. Malgré que non, nous, oui, nani Congo, topé kin, topé mukile. Ba moni apparaître mbalamo ko boyum to zaki non en coulisse ba yeba kiote na zaki na laboratoire nga masala ka bakisi ba yeba kiote mbalamo brisque boye moi. Moi, pas c'est ça, non, mais ça, non. Voilà, voilà. Papa, nous sommes amis qui sont dans ma botte. Ils ont dit qu'ils 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 sont dans ma botte. So yena centre komo kanga o moninga moko docteur Elvis komo yaya likambali ya kobote za ilo amuke to lobela ngo kute to tsikane batu ba te la biso na église batu ba lobela biso ba ngi de bis mi ba ba komo kanga bota te mais za 3e na ye vraiment ouais ba ba kutu yiku to lobela pesa mabota mais mo bota na ete on a écouté ça mais on est surpris aujourd'hui to nga kase so na yena kuta collaborateur na ende ndo ande mo ali mtatika na makambo non moi na ali pe après ça président bina na za 3e. Okay. C'est mi balé moro ya basi bazali boso na ngai. Okay.
Voilà, une question de curiosité. Est-ce que vous avez une association à Bino Bato Médecine? Oui, Ezali Inageco, Union Nationale des Guérisseurs du Congo. Ok. Il pose, vous avez 4 ans là. Non, ils ont gâté, ils ont centré, ils ont gâté. Ils ont gâté, ils ont gâté. Parce qu'ils sont centrés, ils ont gâté à Sadira, ils ont gâté à Zalaki, et puis ils ont gâté à Kumbika, à Ligue. Quand même, vous avez des attentes, vous avez bien. Oui, oui, nous avons bien. 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 Nous bien. Na docteur dit wa mla pêche mbota passant na kenda na centre na manze na makala na kenda rapena ya des fois chaque fois na kenda ba yabanga bien conseil moelo kwa kabelinga moi mon fils bon voilà et puis asipota vraiment on a na matanga ya papa docteur oya koma na ndaku na pêche mbota na pêche ba merci vraiment papa dit wa mba na oyo présence na yo prince le gino nyoso na oyo yaki wa assista ki biso na famille na pêche vraiment merci à toi. Donc, docteur, passant, vous nous présenter un peu ma produit Zani Nwana. Ouais, ma produit Zani, c'est un produit à ya hémorroïdes. Les locaux communément batumingi ba tsikala na moi slogan mon amtu na moi erreur moko boye. Vous avez erreur mais erreur quand même. Et que hémorroïdes Zani interne externe, il y a libanda pe ya kati. OK, tant que zone externe interne au monde que non, ils ont ngoli ngala tes français. Donc mon délai zone enseigne malade o yemo ko ko bik sangote. Pour ce qui est moderne, il y a des hémorroïdes qui sont personnes qui habitent. Aux affaibles, il y a des choses qui sont stimulantes. Il y a des faiblesses qui sont souhaitées. Il y a des éjaculations précoces. Il y a des hémorroïdes. Dans les leçons, on peut s'abîmer. Il y a des hémorroïdes. Il y a des hémorroïdes. Il y a des hémorroïdes. Il y a des 5 sortes d'hémorroïdes. Il y a des hémorroïdes. Il y a des hémorroïdes. Il y a des tabac. Il y a des bois. Il y a des porte-piques. Il y a des yiko. Il y a des motombo. Il y a des poukou topera. Il y a des bongo. Bako na se ba zako benga bongo par rapport à quoi tant malade o yom to bela ba moni ngue pa nyama to o nyama zo bela to o nyama zo sala ba moni ngue pa na bi ah te malade o zo sala za nyama boye o ko mona muta ki o sa sel a zo sala sel ba mbuma 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 bako ko batala bi ise ntaba o sa lo ko ntaba o moni nde ba benga ngo e mogo di ntaba o ko mona muta o sa sel o sala neti ba ze il ko mi yoyo boye stong ba tali abi te za li bata. Donc, ils ont un référent à l'Ibumosa, qui m'a quitté, bien en haut, à porter Piri Yiko. Donc, ils ont un peu de potable aux Okina 4. Donc, on a mis la monnaie Yiko, pour te faire un moment, c'est une des Sende. Donc, ils ont un peu de soucis à 4-5 Yéba. Bah, personne m'a dit, bon, mon Yiko, pour que ça à moi, ce que ça a mis, chalet. Bah, personne, t'es mort de mon tombe, t'es chalet, t'es mort de mon tombe. Donc, c'est un peu ça. Sauf que sur le centre, comme vous écoutez, docteur Elvis, comme vous avez dit, 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 et finalement, il y a 15 ans, il y a un peu de temps, il y a plus 243, 99, 99, 069, 12. Plus 243, 99, 99, 069, 12. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu. Zoa kisi neti par exemple kisho mungo, muda zo bila nzila. Zoa kisho yo eko soanyo yo hemorrhoid, eko soanyo yo rheumatism, eko soanyo yo boye boye. Kisi mungo ezo bila mala, ebi kisa mala di wit. Ah, non, 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 ezo bongo ten. Wane zo mlo kuta. Atato linga mbongo, eh. Boye te. Nile tu zo lo bila oba gire na este, gire boye, ba kimye kota. Bisu pe wa dozo tu linga pe kimye kota na este, me yo mungo dokter zo linga kimye kota na este, me yo mungo dezo dokter zo ta trouble na kata kapital. Trouble par rapport à quoi? Ozol boma batu na volonté na yomoko et loko sali sakate bi na ko pesa mutike c'est un confirmé ko lukile ba ba cancer ba rein ba malade bele bele o pesi mutu ki soit disant big sa ngoma yomo concerné bi na malade na sala yango te nga soye na centre kumu ko moni docteur Elvis kumu ka ngamoko kute na ngamo na yambio ne se sa mbasu chege izangati na sali sa mbasu te na sali sa mpese te na sali sa nzoko te maladi nyoso ezali spirituel ezali na spiritualisme na simba ya ngote ezali pe maladi mususu ba erni na sali sa erni ta papa na ngaza ko sali sa erni me ngana za ko sali na sali sa erni te papa na ngaza ko sali sa cancer ngana sali sa cancer te mi ba tuna me kumu ka sali sa cancer ni ya sa te pone parce que liwata ngo ya ke la kakate. Donc, qui si na yebe na ngo sa ki ko sala ki si erni na yebe uza ki si cancer mais application na ngo ndi na yebiti ya de fois ki so papa be nga na sali ba ki si ya cancer muta yepo ka sen su ya sen bebi ba fotesa na kati wona nemso buza mo ani o mona otali ba fuba fuba ba cancer ni bebi si di bele sali ba pota ba pi
na sali kisi me yako pesa mtu kisa omelana na laksa mtu kisa omelato na sana zona chai baba kisi na tuchaka ana kanse ngana za kwa ngosomo sona bimina kimina nga so mtu za kwa kimane leso sona wapi kisa mtu ndee na nteo na ozwate initina sana nga yango yona lubi ya pour que pana baby sa image mbonga mtu na kwa uzwa bigi na ite mingana li mbongo na hii me kombo zo kima beza kombo ya papa meme na tombo li ngangote ya ose plate ya na kimia te na bagi le fete zagi zo ba na kawana ndito lo babongo paske na eshwe na leso wana vraiment. Le fait que je suis allé sur la question, 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 je suis allé sur ouais, on a la salle saka hémorroïde, la salle saka éjaculation précoce, faiblesse éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, rhumatisme, estomac, gastrite, manque y a règles, règles douloureuses, infections toutes sortes. Na salle saka pena stérilité kubota, la ménopause mo précoce. Na salle saka yango. Moi malade ba sinusite, malade de belles, ça sera sinusite, impuissance plate. Comme on l'a dit à moi et Bélé, on est si bas, si je suis pas allé, nous avons dit que moi c'est conda, gonflement, immobile, allongement, y a peine, tout ça, les sarengo. C'est un peu ça, moi malade, je suis pas allé. Spermatozoïde, je suis allé, sperme, il m'a raté. Comme on dit, il m'a raté, qui est ? Ça manque déjà, sperme, tout ça, les sarengo, moi malade, j'ai moi Bélé. Voilà, merci beaucoup docteur Levis, je suis très content de votre sincérité par rapport à d'autres médecins et à tradi praticien mona OK hôpital Moko docteur Levis on a bien ça madame Dekel nyokankau nini OK na bixara nini na sisa sida tout don je ne sais pas moi ce bazora on wapi attends maman la chercher en haut nous avons appelé ça pour les limites naé c'est ça un peu la franchise mais docteur Elvis par rapport il y a une pratique là nous sommes très contents parce que c'était une émission par du passage donc commune découverte de communes et des quartiers on ne peut jamais passer ou on ne pourrait jamais passer commune de Ngaba ça pour trouver le solo à Kumukanga ou Azali l'homme il y a icône il y a commune Ngaba parce que son nom la commune Ngaba est quand même arrêté Arim Kumukanga. Donc, comprenant en tout cas, commune Ngaba, Kumukanga fait partie, il y a ma valeur. On se coupe tout Ngaba. Bazara, Mayele, par exemple, ils sont vivants. Ben, ils lire même, ils députés. Parce qu'il y a Ngaba très bien. Mais comprenez les Kunois, des fois aussi. Ça, mon orgueil, tu es raté que non, voilà, mon photo, puis ça y place. Parce qu'il y a des affaires, il passe Nabiso. Docteur Elvis, merci beaucoup pour l'intervention. Un petit mot de la fin, peut-être moi, dédicace sur les alliés. Ouais, merci, Ndeko journaliste. On a connu ça, Ndeko, Bazo Talangai, Bazo Landangai. Na ko la musaka ka mémoire ya batu centre Kumukanga ezali centre moko ya kala e uti kala eza premier centre ya Congo eza na lomo te fe prouver batu oyebi osala eyebi na ngolo ko sala eza na carrière moko ya bien maladi nyonso on attend na zo salisa to on attend te yaka na centre Kumukanga ozalo biko sope on attend te yo ye eke na salisa rate na ko zongisa na ngayo pour na sali sa ngote on a yebité na sala kate de peke comme papa na ngai e beba na bengi bino nyoso bwena centre Kumukanga lobi ku zasi ga bandeko bozali bana mboka benga na 0 on a plus 243 99 09 0 69 12 numéro wana pe watana WhatsApp ko koma to ko sa voice go sa mara no sto ye bandeni to ko pesa na pesika ka mbote na petit frère na nga oyo asunga nga na labo ndinga za kusunga papa Eden Kumukanga. Merci à tous la famille et à tous les familles. Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez dit que
Voilà, contrairement à eux, c'est qu'il a à Kinshasa. Donc vous avez compris que nous sommes en Atikabana Bena 8. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous tous, chers fidèles téléspectateurs, fidèles abonnés. Il y a Je sais pas de vidéo TV. C'est votre émission découverte de communes et des quartiers spéciales communes d'Ingaba. La seule émission qui cartonne ces derniers temps sur YouTube. En tout cas, sans nous, tu meurs. Bana Potobo, continuez encore aux s'abonner, donnez-nous confiance. Nous sommes en train de faire ce boulot pour Nabino. Par rapport à vos demandes. Je dis ceci, si vous voulez nous contacter, les numéros là, contactez-nous ou bien appelez Clever de Seigneur à la plus 243 81 270 8600 au Rosabisso, la grande équipe et c'est pas de vidéo TV. Nous continuons notre émission, merci beaucoup. Voilà, chers fidèles internautes, toujours dans votre émission de couvert de communes et des quartiers, on a juste encore une autre rubrique, une rubrique dont nous demandons aux pasteurs de différentes communes que nous allons commencer à passer. Si vous avez un message, passez par rapport à votre commune et par, pourquoi pas aussi par rapport aux enfants de Dieu qui nous suivent à travers le monde entier. Vous êtes le bienvenu. Bah, numéro Zawana, nous contactez Bissot. Ou bien, on a plus 243 81 270 8000. Numéro Zawana, te reçoit là par rapport à la commune. Voilà, tout allez avec Apôtre Victorien Kamitia. Kamitia, voilà, Apôtre Victorien Kamitia de l'église de la base chrétienne. Apôtre, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. La santé, ça va? Oui, comme vous pouvez le constater, ça va bien, merci. Voilà, apôtre, nous venons de traverser une période très critique, le monde entier, par rapport à cette pandémie Covid-19. Oui, il faudrait que presque le monde entier, les autorités compétentes, la RDC, ils ont demandé à chaque église, il faut respecter les gestes barrières, il faut mettre en lave-main, il faut que les fidèles portent des masques. Est-ce que c'est ici, chez vous, dans l'église, ça se passe comme ça? Oui, certainement. Je suis très content que vous me posiez cette question. Ici, chez nous, on respecte vraiment les mesures barrières. Vous voyez déjà, il y a les lave-mains là-bas. Et quand les gens entrent, nous éduquons les gens pour le port des masques, la distanciation. Et tous les gestes sont respectés. Mais il y a un aspect que je voudrais évoquer ici pour dire que ce pays a été confié entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui s'y passe, le monde entier est en train de s'étonner que le coronavirus qu'on croyait décimer les Congolais, et nous sommes debout par la grâce de Dieu. Nous respectons les gestes de la foi. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, apôtre de l'église à base chrétienne. Tellement que cette émission, ça se passe aujourd'hui dans la commune d'Ingaba. Et voilà, on n'a pas voulu passer comme ça sans pour autant aussi à recevoir un homme de Dieu qui va parler d'ailleurs de sa commune. Ingaba, parce que l'église est basée ici. Vous êtes en Ingaba depuis combien de temps? Oh, ça va peut-être vous étonner. Je n'ai pas encore 5 mois ici en Ingaba. Malgré que je suis un vieux loup, un vieux pasteur, comme on peut le dire, j'ai une église à Yolo Sud et une autre à Matete. À l'intérieur du pays aussi, oui. Et j'ai eu cette révélation de venir m'installer en Ingaba. Et je suis là où vous m'avez trouvé, c'est fille un bar et aujourd'hui nous sommes là pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est fille un bar, c'est ici qu'il y avait le bar Mbaki, Dani Mbaki, et puis c'était aussi une boîte, un lounge bar aussi. Quand le Seigneur vous avait parlé de vous venir vous installer en Ingaba, c'était sur quelle base, de quel message que le Seigneur vous avait donné pour aller s'installer en Ingaba? C'est parce qu'il y avait trop, il avait remarqué que non, en Ingaba il y a trop de démons, il avait remarqué qu'en Ingaba les gens ne croient pas à la parole de Dieu, comment? Bon, effectivement, dans la grande mission, le Seigneur nous a demandé, et surtout que moi je suis un apôtre, le Seigneur nous a demandé d'aller partout le monde et de faire de toutes les nations les disciples. Et quand je suis venu en Ingaba, ici où nous sommes, il y avait aussi une autre église avant que moi je n'arrive. Donc je ne suis pas le premier à installer l'église dans cette parcelle qui fut autrefois un bar. Il y avait une église qui est déjà partie et moi je suis venu avec une vision, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur et d'installer une nouvelle église. Parce que nous, en tant qu'apôtres, vous voyez, que depuis que je suis venu ici, je n'ai pas ramené l'église de Yolo pour venir nous installer en Ingaba. Je n'ai pas ramené l'église de Matete pour venir nous installer en Ingaba, mais je suis en train de gagner les âmes pour créer, imposer ou
amener une nouvelle église ici à Ngaba. À Ngaba, il y a beaucoup de démons, à Ngaba, il y a beaucoup de ceci, cela. C'est partout à Kinshasa. Donc, il n'y a pas une commune qui peut dire qu'elle est exempte de toutes les agressions des démons, des esprits impurs et autres choses. Mais nous, nous avons une mission apostolique d'implantation de nouvelles églises. Et nous sommes à Ngaba pour cela. Et je bénis le Seigneur parce que dans le peu de 2 mois que nous sommes là, en activité effective, nous avons déjà un petit nombre d'un petit troupeau qui est avec nous et nous croyons que nous allons avancer comme ça par la grâce du Seigneur. Voilà, je crois que vous avez anticipé ma question parce que j'allais vous poser si déjà depuis que vous êtes là, vous avez déjà gagné combien des âmes. Et heureusement, vous venez de le dire, voilà, le Seigneur a permis que vous ayez quand même un petit troupeau qui vienne pour écouter la parole de Dieu. Avec cette lourde mission que l'Éternel vous a donnée, de gagner les âmes pour l'Éternel, vous ne trouvez pas que c'est une lourde charge? Il faudrait quand même qu'il y ait un peu sur dont il y a prophétie. Mais il y a regagné bah, âme pour gagner un âme, c'est pas pour gagner une âme, c'est pas facile. Parce que gagner âme, il faut que vous ayez un peu de temps, vous ayez un peu de temps, vous ayez un peu de 14h à Kessou, dans l'hôtel. Vous ne trouvez pas que c'est une lourde charge pour vous? Merci beaucoup pour la question. Mais malheureusement, c'est ça notre travail. Donc, ce n'est pas facile pour gagner une âme. Et une âme, on ne la gagne pas seulement avec la prophétie. Ce que tu as dit, l'église est belle, la prophétie est fondée. Et ça, on a comme tout. Donc, fabriquer et puis bombarder. Alors, ce sont des choses que nous connaissons très bien. Et nous éduquons les enfants de Dieu ou les gens qui veulent venir au Seigneur, ne venez pas à cause des prophéties, venez à cause de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est le fondement de la vie chrétienne. Et Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quand on va connaître la vérité qu'on va devenir libre et on va se libérer de l'emprise du péché, de l'emprise du mal et on va commencer une nouvelle vie. Comme ces derniers temps, je suis en train de parler ici de notre doctrine, la fondation de notre église à mon petit troupeau qui est déjà là. Je suis en train de leur démontrer que la repentance, c'est une réalité. Donc quelqu'un peut abandonner son ancienne vie et commencer une nouvelle vie parce qu'il a écouté la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit l'a touché, parce que le Saint-Esprit l'a convaincu. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il convaincra le monde au sujet du péché et il convaincra le monde au sujet de la repentance. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre les gens auxquels j'amène la parole de Dieu. Moi, je prêche et le Saint-Esprit fait aussi son travail et c'est comme ça que quelqu'un peut se convertir. Dans le cas contraire, vous pouvez parler du matin au soir et motorobongo le matin. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'était juste une interview parce que nous étions de passage. Et voilà, on a voulu aussi bénéficier de la part de l'Éternel par rapport à cette émission de couvert de communes et des quartiers. Apôtre Yao, il y a une polémique qui s'est dit ces derniers, la combo y a base. IDPS babi qui non voilà bon les gens disent que non pour ibi base à IDPS pour bosser en haut na vraiment Zambie, vous allez dire quoi? Ah vraiment ça prouve que vous êtes un grand chercheur parce que Makambongo et l'Obama Kabon na beta kango kara na linga wakota na ba polémique ou anate. Quand on appelle notre église la base chrétienne, eza kombo ya lelote ngai na bandi musa na Nzambe. J'avais 21 ans et quand vous me regardez aujourd'hui, je suis un cinquantenaire. Alors, bandana bandagi wana nazaka na kombo ya base chrétienne. C'est depuis 1997, en Mbujimayi, que j'avais créé, j'étais allé implanter les églises. J'ai implanté l'église de Miabi, j'ai implanté l'église de Mbujimayi avec le nom de la base chrétienne. Alors, nabandi kombo ya base le lote. Ceux qui toko loba banani bayibi kombo ya banani ngai na wokota na polémique wana tena boyi bana wana ya IDPS baya kolokota ngai pamba balobaka trop sans frein. Mais ngai na ibisi bango ka ke kombo ya la base chrétienne et banda depuis 1997 tango na bandaki musala na Nzambe. Je voudrais seulement insister que nous sommes sur Kianza numéro 33
dans la commune de Ngaba, là où il y avait les bars Mbaki. Nous sommes en face de Kisempia et à côté de l'école catholique Saint-Adrienne. Donc c'est Arrêt École, c'est là où il y a notre église. Et je profite de votre micro pour appeler tous ceux qui veulent nous entendre parler. Nous prêchons bien. La prophétie, je dis toujours aux gens que moi je prophétise en prêchant. Quand je prêche la parole de Dieu, des fois je dis des choses et quelqu'un me dit: papa, tu as donné toute ma situation, tu as expliqué tout ce qui m'est arrivé, tu as expliqué tout ce qui est en train de me déranger. Donc moi, la prophétie est dans la parole de Dieu, et les autres dons, les miracles, les prodiges, il faut que les gens viennent. On ne doit pas faire de publicité comme si ça dépendait de nous pour que les miracles arrivent, mais quand ils écouteront la parole de Dieu, ils verront les miracles. Parce que Jésus nous a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons de la commune d'Engaba, du quartier Baoba, et à Kinshasa, les gens peuvent vivre à l'aise. En dehors d'être pasteur, je suis aussi un artiste musicien chrétien. Et je suis aussi coordonnateur des radios qui se retrouvent dans tous les marchés de Kinshasa. Je crois que quand je vous ai rencontré, c'est aussi une grâce du Seigneur. Peut-être on aura à collaborer de temps en temps avec vous. J'aurai à vous inviter, ou si vous avez aussi des questions d'actualité sur la vie chrétienne dans la ville de Kinshasa, ça serait aussi bien de nous faire aussi participer. Et je vous remercie pour la démarche. Merci beaucoup. Voilà. J'allais oublier cette question parce que ça fait aujourd'hui tabou à Kinshasa. Les gens parlent tellement entre les hommes de Dieu, il n'y a pas une coalition, donc il n'y a pas une entente. Aujourd'hui, il se passe des choses entre le général Sonny Kafuta et les pasteurs de Dokamba. Dans cet aspect, dans ces problèmes, quelle serait votre contribution? Ah là là là, Ozokende Kofongo, la boîte à Pandore, parce que là il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais d'entrée déjà vous dire que entre le général Sonny Kafuta et Dodo Kamba, il n'y a pas un problème. Aucun problème. Mais le problème, c'est entre le général Sonny Kafuta et les gens qui veulent son éviction, quoi. Bato Belingi Balongola, général Sonny Kafuta. C'est là où il y a les problèmes. Parce que Dodo Kamba, Zaka Logola, Moutou Bazoui Kakato, Moutou Amiko Tisipe Nalikamboyo, Akutipe Batou Bazo Bunda, Yepe Amichewana. En réalité, je vais vous dire en bref, parce que ce n'est pas le sujet que nous sommes en train de traiter. Le général Sonny Kafuta est à la tête de l'RSC il y a de cela presque une année maintenant. Mais quand vous enlevez les temps de Covid, il va rester quelques mois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le général Sonny Kafuta a pris la décision. A pris la décision de dire que tout le monde qui avait travaillé avec mon prédécesseur, je dois maintenant les remplacer. Donc, il devrait faire une mise en place. Dans tout et pour tout, il devait aussi chercher à avoir une autre équipe. Et ces gens-là n'ont pas été contents. Talaka Kayo sali déjà autant d'années, na place au Yebi, et Bazo Yebisio Getozo Longolayo. Et ils se sont coalisés. Et c'est le début du problème. Et au lieu que le général Sonny puisse les déchoir et mettre aussi une autre équipe, Bango, ils ont cherché des motifs et des motivations pour déchoir le général Sonny. Donc c'est comme ça que le problème est parti à ma connaissance. Et tout ce qui arrive maintenant, c'est les gens qui sont en train de se tirailler. Les uns disent il va voir, les autres disent Bakoko Kabisote, et c'est tout ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que les enfants de Dieu doivent se comporter de cette manière vraiment? Ici, ils disent des pasteurs, vous êtes des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous vous trouvez intérêt d'entendre, que vous preniez l'eau, vous le mettez dans le verre, que vous buvez, vous dites, bon, d'accord, ils sont général, voilà, il faut faire ceci. On a tendance à comprendre qu'entre les chrétiens, il n'y a pas un amour sérieux, vraiment. Entre les chrétiens, ça se passe toujours des choses. De l'autre côté, le prophète de la nation, Denis Lès, il donne une prophétie, et de l'autre côté, ça se passe des choses. Pourquoi tout ça entre les hommes de Dieu, entre les chrétiens? Oui, même la Bible parle de tout ce qui arrive ici. Donc ce n'est pas nouveau et ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois.
mais seulement nous devons user de beaucoup de sagesse pour faire sortir l'église du bourbier où on est en train de l'enfoncer. L'église appartient à Jésus-Christ et n'appartient pas aux hommes. Les hommes cherchent des positionnements, les hommes cherchent le pouvoir, mais ils oublient que le pouvoir est passager. Ce que nous sommes en train de faire dans notre corporation des apôtres, avec l'apôtre Patrick Wanzambi que je salue de l'un, nous sommes en train de chercher d'organiser les sommets de l'unité pour réunir tout le monde et mettre l'eau dans les vins comme vous venez de le dire, pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Le problème c'est le positionnement et le pouvoir, parce que quand vous suivez dans cette histoire, il y a le prédécesseur de Sonny Kafuta, Albert Kankenza, qui a joué aussi sa partition, parce qu'il sentait que le général Sonny commençait à faire les choses sans se référer à lui. Or, quand il a fait la passation du pouvoir, c'est qu'il laisse tout et il ne doit pas encore revenir au pouvoir, c'est ça. C'est comme un peu ce qui était dans la tête des gens avec Fatshi et Kabila. Hein? Les gens disaient que non, on a dit que Fatshi, Elilingi, Apamba, tout ça, oh, masque, on lui a donné tous les noms. Mais au fur et à mesure qu'il avance, vous sentez qu'il est en train de prouver le contraire. Et je crois que c'est ce que Sonny faisait aussi, mais les autres sont en train maintenant de vouloir récupérer la situation où ils n'étaient pas rassasiés du pouvoir, ils veulent toujours être là. Merci beaucoup, apôtre, cher fidèle internaute. Je crois que c'était juste une interview par rapport à cette émission découverte de communes et des quartiers, tellement que nous sommes dans la commune d'Engaba. Et voilà, on a voulu profiter aussi d'interviewer l'un ou des serviteurs de Dieu de la commune d'Engaba. Il nous a parlé de la part du Seigneur, il nous a parlé de la part aussi de ce qui se passe entre les hommes de Dieu de la République chrétienne du Congo. Je crois que je vais y revenir pour une bonne émission avec l'apôtre. Nous allons parler de beaucoup de choses. C'est cette question dans tout le monde. Il y a une nouvelle génération qui arrive avec le nouveau prophète, le nouveau pasteur, qui disent que non, bango ba boma ba bébici le banzambe na Congo, ba bébici marmanzambe na Congo, bazana pour ça ba violou le quoi la bino bo kiende bo tiki la nouvelle génération zoya bango ne brossa malamu batanga ba komo ba Sonny Kafuta batanga ba komo ba Denis Lesi batanga ba Albert Kakenza batanga ba nani ba pasteur Mukuna, ils ont cité presque le vieux loup comme vous, donc bah, c'est une bonne question. Donc, cette question-là, nous allons en parler. Mkonaroya, je vais prendre contact, je vais passer avec l'apôtre et puis nous allons parler aussi d'autres sujets à ce qui concerne la parole de Dieu. Merci beaucoup, apôtre, pour votre disponibilité de temps. Je m'excuse un peu par rapport à ce que tu dis là. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Abimi akangi jeune moko alingi amelaye ba jeune bazo bundisa nguma balobi ba beta masasi soki ba beti nguma masasi na jeune oyo nguma alinga ki akokufa moko na bango alobaki tobenga mpaka totuna ye mayele ba benga ka mpaka moko kaka mwana wana bombaka papa na bango tango papa wana abimi alobi likambo nini alobi papa atala nguma akangi mwana ya mokonzi ya mboka soki ba beti masasi mwana akokufa nguma pe azolinga kotika te papa alobi boza bana obomaki ba mikolo nyonso pamba boyawa bayake alobi bokangela ngai soso bakanga kisoso papa akata kisoso ataki soso kingo atiki soso soso abandi kopumbuka pumbuka nguma atiki mwana ya roa nguma akeipo alia soso eba profitaki pona koboma nguma e mwana ya roa abikaki la jeunesse oui mais est-ce que bazana sagesse lokola biso. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup donc, chers fidèles internautes. Nous continuons notre émission de couverture de communes et des quartiers spéciales à la commune de Ngaba. Merci au cordon Jean-Claude Bessissa. Nous disons merci aussi à l'apôtre. Donc l'église, la base de l'éternel, la base chrétienne, pardon, est sur l'avenue Kianza, commune de Ngaba. Donc numéro combien, pasteur? 33. Non, ils ont arrêt école. Je crois que c'est là où vous allez retrouver l'église et la base chrétienne. Clever le Seigneur, nous continuons notre émission. Nous disons ceci, vous êtes un serviteur de Dieu. Tout le monde nous annonce l'émission de Rouya. Si peut-être dans la commune, il y a Lemba, on annonce ça dans l'émission et autour Sali. Et puis voilà, un homme de Dieu, vous nous appelez aussi comme l'apôtre, Tosiope, en effet, c'est 15 à 10 minutes, ou l'équipe au lobby, de la part du Seigneur par rapport à la commune Oyo, ou Fandi, par rapport à la commune Oyo Kamba, Bananzambe. Merci, et puis nous continuons notre émission.
Voilà, merci beaucoup à vos chers fidèles internautes, fidèles téléspectateurs de la grande chaîne C'est pas du vidéo TV. Votre émission de couvert de communes et des quartiers touche à sa fin. Donc aussi cette émission Awa na commune Yangaba, précisément à la zone avenue Kikuti. Avenue Kikuti, avenue Bozomona, Kalate, au jour d'avenir, vous allez voir l'avenue comme asphalté parce que le gouvernement en place, Makadam Kolongwa, Balabala Oyebandi na Fikin, et est traversé côté Mombele, côté commune Yangaba, commune Yangaba. Et qui est commune Yamakala, commune Yamakala, et qui est commune Yabumbu, commune Yabumbu, commune Yaselemba, donc, et traverser vraiment parce que c'est sur les routes qui va permettre à ce que nous nous sommes à Zana Bandal, à Koutanega, Mbalamoro, à Akinelemba, ça pour autant à Zoa d'autres routes qui, je crois aussi, qui m'ont zappé, et au paiement, ceux qui vont là-bas là-haut, et Selemi, comme vous l'avez remarqué, il y a des enjeux, donc, Babandir, on a coupé le bousso, voyez qu'il est progressivement malé, malé. Coup de chapeau au gouvernement du président Fatih, parce qu'il a vite compris que non, qu'il faut qu'il y ait des routes secondaires pour permettre de grandes acteurs. Et puis ma pona et comme le rôle la net le lingue ça est revêti d'une très belle robe et ça les fierté à commune il y a Makala et puis pourquoi pas aussi ceux qui a venu